pour qu'on puisse Voilà, juste merci là. à notre ami qui vient de présenter après moult tentatives. Voilà, on passe à la au panel 10. J'ai lancé un appel dans le chat. Est-ce que quelqu'un serait disponible, disposé à mener les débats? Oui, monsieur Moussa Diallo, vous souhaitez modérer ou bien vous communiquer? 4 heures. Ah, voilà. Je suis le deuxième communicateur. D'accord, je pense qu'on va vous passer la parole, hein, D'accord. parce que personne ne s'est Oui, signalé. Lucien, tu voudrais bien modérer ça Oui, ou... vous voulez Ok, modérer? allez. Non, non, allez-y, Lucien. Vous disiez, professeur, je ne vous ai pas Je bien. demandais si tu... Qui va modérer? Tu veux le faire maintenant? J'ai lancé l'appel dans le chat, donc s'il y a quelqu'un de disponible. Ok, alors. Est-ce que quelqu'un dans le chat, quelqu'un dans le public veut modérer ce panel? J'ai lancé l'appel il y a au moins 5 minutes. Professeur Amalaman, vous souhaitez modérer ce panel? Non, pas vraiment. Il faut qu'on donne, on en a fait deux ou trois cette journée. Il faut donner l'occasion à tout le monde de pouvoir s'y essayer. Oui, Je ne merci. sais pas s'il y a un volontaire qui voudrait bien modérer ce panel. Vous êtes la bienvenue. Désolé pour des collègues qui ont donné volontairement leur nom pour modérer. Et malheureusement, le panel arrive et ils ne sont pas là. Ça crée des désagréments. Et est-ce que docteur Tangel voudrait le faire, Sosten Nguessan. Je le vois connecté. Sinon, je le fais alors. OK. D'accord, Très bien. professeur. Donc, on donne. Professeur, je peux rester encore. Moi, je peux rester encore. Si, professeur. Allez-y. C'est qui, c'est Omar? Oui. D'accord. Oui, Omar, allez-y alors, allez-y donc, allez-y, s'il vous plaît. OK. D'accord. Donc, bienvenue à tout le monde dans ce panel 10, composé encore de 6 communications. Voilà. Donc, on va demander aux communicants de préparer les communications pour qu'on puisse aller très vite dans le travail. Donc, le premier communicant, c'est Morgan Koudjo. Est-ce que Morgan Koudjo est présent? Après Morgan Koudjo, il y a Moussa Diallo Moussa. Oui, je suis Diallo Moussa, là. vous êtes là? Oui, Voilà, je donc suis là. on va donner la parole à Moussa Diallo. Donc, pour Il y a présenter quelqu'un sa qui a communication. déjà partagé son Je écran, il crois qu'il y a l'empêche. quelqu'un qui a déjà positionné son PowerPoint. On Ah, va lui donner oui, la parole c'est. et puis après on vient à Diallo, s'il vous plaît. OK, d'accord, allez-y. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a communiqué, c'est Trésor, c'est ça? C'est Ferdinand Onana Nga. Ah, OK. Il faudra ouvrir votre micro et commencer votre présentation, s'il vous plaît. Ferdinand, Alors, allez-y. Alors, bonsoir, vous m'attendez? Voilà, vous avez 10 minutes pour présenter. Oui, bonsoir, vous m'attendez? On vous entend très Oui, bien, allez-y, s'il vous plaît. je ne suis pas Ferdinand Nananga, je suis plutôt Donald Bétaigné, doctorant en histoire des relations internationales à l'Université de Douala et en OK. même temps membre du Centre de recherche des études diplomatiques et stratégiques, le CREDIS. Alors, D'accord. l'objet de notre communication du jour est la crise diplomatique franco-italienne de janvier-février 2019, 2 points, enjeux africains et perspectives sur la politique européenne des États d'Afrique francophone. Bien, nous avons organisé notre présentation en 3 principaux points, à savoir. S'il vous plaît, cher ami, c'est la communication numéro combien dans le programme? C'est la Quel est le numéro communication. de votre programme? Dans Oui. cette... Notre communication est la 57. OK, très bien. Allez-y alors. Allez-y. Parfait. C'est tout bon. Bien. Je disais que notre plan de communication est organisé en 3 principaux points. Le premier qui est le contexte et la problématique.
Le second, qui est le cadre théorique et méthodologique. Et le dernier, qui sont les principaux résultats. Alors, au niveau du contexte et de la problématique, nous constatons que dans l'histoire des relations franco-italiennes, la crise de 2019 semble être celle qui est la plus grave. Si on veut remonter dans le temps pour trouver un événement semblable, il faut retourner à la veille de la Deuxième Guerre mondiale avec la dénonciation du traité du traité franco-italien qu'on avait surnommé l'amitié franco-latine. Alors, pourquoi cette crise nous intéresse, nous particulièrement, le docteur Onananga et moi? Parce que cette crise qui semble être européenne a aussi des relents africains. En effet, l'Afrique est dans cette crise le sujet et même l'objet de cette guerre diplomatique entre les deux pays européens. Ce qui nous a donc amené à nous poser ces différentes questions, à savoir, dès lors, au regard de la politique africaine de ces deux pays européens, quels sont les enjeux africains de la crise franco-italienne? Et d'autre part, étant donné la position de la France dans ces pays qui jouent le rôle de centre de gravité, n'est-il pas possible d'envisager d'éventuelles modifications de la politique européenne des États d'Afrique francophone? Alors, pour notre cadre théorique et méthodologique est axé sur, dans un premier temps, le réalisme structurel de Kenneth Walsh, qui considère que c'est l'environnement international qui façonne le comportement des États. Dans cette perspective, donc, le bras de fer entre Rome et Africains. Au contraire, ce rapport de force entre les deux pays européens doit être pris en considération dans les choix diplomatiques africains. La méthode que nous avons employée est celle, d'abord, notre étude se base davantage sur les sources écrites, notamment les monographies, les articles, les notes de recherche, les rapports. Et nous avons fait appel à le futur. Et c'est pour ça que cette méthode prospectiviste s'appuie sur trois piliers, à savoir l'exploration, le rejet de la fatalité temporelle et la conscience de l'existence d'innombrables futurs possibles. Dans le cadre de cette étude, donc, le fait de ressortir les enjeux de cette crise permet d'imaginer les différents scénarios sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Nous passons maintenant au troisième point, qui est celui des principaux résultats. Alors, parmi les principaux résultats, nous avons commencé par les enjeux africains de la brouille diplomatique entre la France et l'Italie. Vous avez devant vous ce graphique. Ce graphique représente l'arrivée des migrants en Italie entre 2016 et 2018. On constate bien évidemment que les pics d'arrivée en 2016 se situent à octobre et en 2017 se situent à juin. Alors, pourquoi ces deux années sont considérées comme les plus chaudes? Parce que entre 2016 et 2017, l'Union européenne et l'Italie ont lancé deux opérations de lutte contre l'immigration clandestine. La première, c'était Mare Nostrum, et la deuxième, c'était Triton. Alors, au lieu que ces deux opérations aient un effet dissuasif et répressif, on constate plutôt que ces deux opérations ont plutôt encouragé les passeurs a envoyé beaucoup plus de migrants vers les côtes européennes. Il faut noter que cette flambée de l'immigration clandestine se situe dans le contexte du chaos qui sévit en Libye
suite à l'intervention occidentale, à l'intervention de l'OTAN en 2011. Et donc, l'Italie qui a toujours été en première ligne face à l'immigration clandestine, notamment en provenance des côtes africaines, ça va se retrouver avec un afflux massif de réfugiés depuis 2011 et dont les périodes de flambée sont 2016 et 2017. Alors, pour les Italiens, il faut que les pays européens se partagent équitablement le fardeau de l'immigration. Or, du côté français, on assiste plutôt à une fermeture des frontières, faisant en sorte que s'il n'y a que les pays touchés comme l'Italie, l'Espagne, Malte ou la Grèce, qui sont obligés à eux seuls de supporter ce fardeau. Donc, le premier enjeu africain ici est la limitation et la gestion collective des flux migratoires en Méditerranée. Le deuxième point concernant les enjeux est l'aura de l'Italie dans le pré-carré français. Traditionnellement, l'Italie s'est beaucoup plus appuyée sur, a beaucoup plus axé sa politique étrangère sur l'Afrique du Nord, notamment les pays de la Tunisie, l'Algérie et surtout la Libye, compte tenu des liens historiques. Mais depuis l'intervention occidentale en Libye et le chaos qui sévit actuellement, la Libye cherche à pénétrer dans l'espace, dans la zone d'influence française. Et cette pénétration se vit notamment à travers la réforme de l'aide publique italienne et aussi à travers des prises de position qu'on peut juger anti-françaises, notamment à travers la question du franc CFA. Et c'est cette question du franc CFA qui va achever de mettre le feu aux poudres en 2019. Alors, au niveau des perspectives, oui, on y voit que les pays africains visaient l'Italie et se servaient d'elle comme contrepoids à la France. L'Italie, comme je le disais tantôt, l'Italie a réformé sa politique d'aide et comme la Chine et se positionne dans l'espace économique africain comme un partenaire de choix. Le dernier point, c'est la mise sous pression de la France d'une mutation des rapports franco-africains. L'offensive de l'Italie ne se limite pas au domaine économique, mais aussi il se concentre aussi sur le domaine diplomatique. Et un exemple particulier, lors de la crise vénézuélienne, nous avons tous vu comment l'Italie ramène à contre-courant des positions européennes. Ce qui peut intéresser les présidents africains, notamment ceux francophones, qui ont souvent des relations tumultueuses avec la France. Compte tenu du temps, je n'ai pas pu développer la quintessence de notre travail, mais lors des échanges, j'espère être beaucoup plus prolixe. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Merci. Okay, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord les communications. Après, on va procéder à la phase d'échange. D'accord, donc on continue. Moussa Diallo est là. Moussa Diallo. Voilà. Donc vous pouvez. Merci de me donner la parole. Voilà. Vous avez 10 minutes. Merci. Je me suis proposé d'intervenir sur le thème l'impérialisme et les luttes anti-impérialistes en Afrique, d'une Afrique dominée à une Afrique libre. En guise d'introduction, je voudrais présenter le problème qui m'a préoccupé pour pouvoir formuler ce thème de recherche-là. C'est que j'ai fait un constat empirique dans beaucoup de pays africains, le sentiment que les États africains sont encore dominés, exploités, est prégnant. Et il y a même au niveau de la société civile des mouvements de contestation de la présence de certaines puissances étrangères sur le sol africain, notamment les bases militaires.
Il y a aussi la question du franc CFA. Alors, c'est partant de ces constats empiriques, j'ai formulé donc une problématique de recherche. Comment l'Afrique doit-elle s'y prendre pour se libérer de la domination et de l'exploitation impérialiste? Et de cette problématique de recherche, j'ai formulé quelques hypothèses. Je passe sous silence les questions d'objectifs et autres parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Alors, la principale hypothèse, c'est dans ses rapports avec le reste du monde, l'Afrique a été violentée, humiliée, dominée et exploitée jusqu'à nos jours. Une hypothèse secondaire de recherche numéro un, la traite négrière a consisté à piller l'Afrique de ses ressources naturelles et humaines. Hypothèse secondaire numéro deux, la colonisation a consisté à piller l'Afrique de ses ressources naturelles. Hypothèse secondaire numéro trois, le néocolonialisme consiste à mettre en place des mécanismes pour continuer la domination et l'exploitation de l'Afrique par les puissances impérialistes. Et je voudrais insister sur le fait que ma recherche est une approche théorique et non pas empirique, ce qui fait que d'un point de vue méthodologique, j'ai d'abord essayé de rechercher la documentation dans le but d'identifier des ouvrages qui vont me permettre de mieux cerner la problématique de notre recherche et de vérifier nos hypothèses. Après, nous avons effectivement lu les ouvrages retenus, les documents retenus qui devraient nous permettre de cerner mieux notre problématique. Et enfin, nous avons sélectionné des informations pertinentes pour traiter le thème. Alors, sur le plan philosophique, il n'est pas interdit de s'inspirer, de se mettre sous l'autorité des paradigmes de recherche. Dans ce sens, nous sommes inspirés de la conception marxiste des relations internationales et de la théorie sociale ou critique sociale pour pouvoir analyser les informations que nous avons recueillies. Alors, cela a l'avantage pour nous de nous permettre de convoquer toutes les sciences humaines et sociales pour nous permettre d'éclairer davantage et, pour employer une expression nietzschéenne, de dégager plus de perspectives pour analyser le problème qui nous préoccupe. Alors, avant d'avancer, je me suis proposé de donner une définition de l'impérialisme puisque le thème contient ces concepts clés. J'ai voulu juste me référer à un travail de Lénine reconnu comme un travail pertinent dans le domaine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et selon Lénine, dans cet ouvrage-là, l'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes. On peut trouver cette information à la page 146 de l'ouvrage. Alors, je vais rapidement aux résultats de mes recherches. Premier niveau des résultats, ce sont les conséquences de la traite négrière sur l'Afrique noire. Là, je me base juste sur un travail de Joseph Kizerbo. Je vais résumer juste tout ce que j'ai pu retenir comme obtenir comme information sur cette pratique-là, la traite négrière. C'est que l'Afrique, dans ses relations avec le reste du monde, a été violentée, humiliée, dominée, exploitée et pour cause, comme je l'ai dit, Joseph Kizerbo dans Histoire de l'Afrique, 1978. Et résumer en quintessence ce que la traite négrière a coûté à l'Afrique en ces termes. Tenez dans sa thèse sur la traite des Noirs, arrive au chiffre total de 80 millions, du CAS à 100 millions. On peut donc considérer qu'environ 100 millions d'hommes et de femmes ont été arrachés à l'Afrique depuis le 15e siècle, 50 millions étant un minimum. Si l'on rapporte ces chiffres, non à la population actuelle de l'Afrique noire, mais à la population des 18e et 19e siècles, on verra l'importance de la ponction humaine subie par l'Afrique noire. Donc, comme je l'ai dit, c'était Joseph Kizerbo dans son ouvrage, page 218.
Autre élément de conclusion auquel nous sommes parvenus, ce sont les conséquences de la traite négrière, plutôt du colonialisme et du néocolonialisme sur l'Afrique. Et là, le colonialisme a consisté à piller les ressources naturelles des pays colonisés pour développer les métropoles. Cette exploitation des ressources naturelles de l'Afrique a été directe, brutale et humiliante. Et je voudrais convoquer Achille Mbembe dans Brutalisme pour illustrer ce que je dis là. Et selon cet auteur, les colons ont fait usage d'arbitraire et surtout de cet arbitraire qui accomplissant son œuvre propre et se validant lui-même par sa propre souveraineté, autorise que le pouvoir s'exerce comme droit de tuer et investit l'Afrique des morts qui sont à la fois au cœur de chaque époque et au-delà de toutes. Donc, dans son ouvrage, c'est à la page 75 que j'ai pris cette information. J'insiste avec lui toujours pour dire que l'État colonial n'excluait ni l'exercice de la force brute contre l'indigène, ni la destruction des forces d'organisation sociale qui lui préexistaient, ni même leur récupération à des fins autres que celles pour lesquelles elles furent autrefois ordonnées. Et toujours dans le sens des conséquences du néocolonialisme et du néocolonialisme sur l'Afrique. Et sur le néocolonialisme, je m'appuie sur des travaux de Kwame Nkrumah. Il reste deux minutes. OK. C'est l'ensemble de ces tentatives pour perpétuer le colonialisme sous couvert de liberté que l'on appelle néocolonialisme. Alors, poursuite les conséquences, c'est la poursuite de la domination et de l'exploitation de l'Afrique par des mécanismes plus souples mais pernicieux, mécanismes monétaires, économiques, militaires, coopération bilatérale et multilatérale, etc. Comme résultat toujours, je proposais à cette domination des solutions rapidement, nécessité de dénoncer les accords secrets et léonins qui lient les États africains aux anciennes puissances coloniales, dénonciation des accords militaires, économiques et culturels, bilatéraux et multilatéraux qui aliènent la souveraineté des États et des peuples africains, dénoncer les politiques néolibérales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, négocier de nouveaux accords garantissant la souveraineté des États et des peuples africains, renégocier de nouveaux accords bilatéraux et multilatéraux gagnant-gagnant au profit des États et des peuples africains, exiger la réforme du FMI et de la Banque mondiale, créer une monnaie unique de l'UA qui doit être elle-même réformée, créer une banque centrale africaine de développement. Alors, en conclusion, je voudrais dire que pour une véritable souveraineté des États et des peuples africains, il faut commencer par dénoncer les accords secrets léonais qui lient l'Afrique au reste du monde. Il faut renégocier de nouveaux accords bilatéraux et multilatéraux gagnant-gagnant. Il faut enfin engager des réformes audacieuses de l'UA, créer une monnaie unique de l'UA, créer une banque centrale africaine de développement pour que l'Afrique puisse passer de son statut d'un continent violenté, humilié, dominé et exploité à celui d'un continent libre et souverain dans ses rapports avec le reste du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien, merci beaucoup pour la brillante communication. Alors, on continue avec Hippolyte Pépin Ndengazo. Hippolyte, est-ce que docteur Hippolyte en ligne? Namori Dumbia. Namori Dumbia, est-ce que vous êtes en ligne? Lalan Dreni. Vous êtes là? Lalan Dreni. Maugan Koudjo. Oui, je suis là. Ok, vous êtes Nanao? Oui. Ok. Voilà, donc vous avez la parole. Vous pouvez partager votre écran. D'accord. Voilà.
Oui, l'écran partagé, mais le document n'est pas ouvert. Bon, c'est le panel, c'est un panel. Je vais couper. On a oublié de couper. Oh là là. Samuel, le document n'est pas ouvert. Sinon, l'écran est partagé. Il faudra cliquer sur votre PowerPoint. Ah, d'accord. Il faudra ouvrir le PowerPoint. On voit votre écran, mais le document n'est pas ouvert. Double-cliquez sur le PowerPoint. Nous voyons votre écran, nous voyons votre cursor. Oui, on voit les deux PowerPoints. Voilà. Voilà. Il faut l'ouvrir. Vous voyez? Oui, seulement que le document n'est pas ouvert. Vous devez l'ouvrir. Il faut double-cliquer pour l'ouvrir. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je peux commencer? Il s'affiche toujours non. Pas. Non, on ne le voit pas. Ok, vous avez 10 minutes pour présenter. Donc, je tiens à vous remercier tout d'abord de m'avoir donné la parole. Notre communication d'aujourd'hui s'intitule « Analyse des difficultés des femmes rurales entrepreneurs à Madagascar ». Tout de suite, le plan de cette présentation, je l'ai divisé en 50 parties. D'abord, une brève introduction. Ensuite, la méthodologie adoptée, puis les résultats de la recherche, et nous avons aussi quelques recommandations et une courte conclusion. Passons maintenant à l'introduction. S'il vous plaît, les slides ne bougent pas. Les slides ne bougent pas. Alors, voilà, l'introduction. Oui. Dans le monde, après la conférence des Nations Unies en 1975, marquant l'année internationale des femmes, elles ont pris l'essor dans le développement économique. Pour Madagascar, cet essor fait suite à la mise en œuvre de politiques gouvernementales après la ratification d'un certain nombre de conventions internationales et régionales, particulièrement la conférence de Beijing en 1995, le protocole de la communication de développement de l'Afrique australe, le SADC, qui ont mis l'accent sur la promotion des femmes dans le développement, ainsi que la plateforme de développement de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, créée par l'OIT et l'entrepreneuriat avec le Banque africaine de développement en 2009 au Caïre. Des appuis ont été donc apportés par des programmes et organismes sur la promotion des femmes. Cependant, malgré ces dynamismes, beaucoup de femmes, surtout les femmes rurales, se heurtent à des divers obstacles qui les empêchent d'avancer dans leurs entreprises. C'est pourquoi nous avons choisi le thème « Analyse des difficultés des femmes rurales entrepreneurs à Madagascar ». Pour approfondir ce sujet, l'on peut chercher à savoir quels sont les obstacles confrontés par les femmes entrepreneurs rurales à Madagascar dans la gestion de leur micro-entreprise. Deux axes d'hypothèses ont été alors proposés. D'une part, la situation socioculturelle que vivent les femmes rurales entrepreneurs contient un frein dans la gestion de leur entreprise. Et d'autre part, elles subissent des difficultés d'accès au financement. Dans cette étude, nous avons fixé les objectifs suivants. Premièrement,
identifier la nature de micro-entreprises gérées par les femmes. Deuxièmement, analyser les difficultés qui le freinent. Et enfin, fournir des solutions adaptées à leurs besoins. En ce qui concerne la méthodologie, nous avons adopté trois étapes. Il y a d'abord la phase préparatoire, ensuite la collecte de données primaires et enfin le traitement des données. Dans la phase préparatoire, elle a permis d'entamer la pré-enquête, c'est-à-dire la collecte des données secondaires disponibles dans des centres de ressources et sur Internet. Ensuite, la collecte de données primaires a été réalisée dans la commune rurale d'Anjanfourfatou, district de Wipato. Une enquête qualitative auprès de 48 femmes rurales, chefs d'entreprise, ont été entamées. Et il y a aussi deux agents de microfinance œuvrant dans notre site d'études qui ont été interviewés. Après l'enquête sur le terrain, nous avons effectué le traitement des données manuelles puis par ordinateur. Maintenant, nous allons passer aux résultats de notre recherche. D'abord, les entreprises gérées par les femmes que nous avons rencontrées sont en majeure partie des micro-entreprises individuelles dans lesquelles les femmes exercent, dans la plupart des cas, des activités primaires où il y a des femmes qui sont pépiniéristes, productrices des matières premières en huile essentielle. Il y a aussi des femmes vannières, commerçantes, agricultrices, avicultrices et apicultrices. Quelles sont donc les difficultés rencontrées par ces femmes et qui les freinent dans la progression de leurs entreprises? D'après les résultats obtenus, on peut grouper ces problèmes en deux grandes catégories. Il y a d'abord la difficulté d'ordre socioculturel et la difficulté d'ordre économique et financière. Dans la difficulté d'ordre socioculturel, il y a premièrement la lourdeur de tâches domestiques, car ces femmes travaillent 16 à 17 heures par jour et elles n'ont que généralement de temps, 3 à 5 heures par jour, pour consacrer à leurs entreprises, c'est-à-dire 10 à 11 heures de temps par jour pour s'en réserver au travail domestique. Ensuite, la faible participation des femmes à la prise des décisions au sein de leur ménage, c'est-à-dire elles restent tributaires surtout dans les grandes décisions prises au sein de leur ménage, comme par exemple les achats ou ventes de bétail ou de terrain. Puis, il y a aussi le phénomène de Diabounen. Diabounen est une culture Besleu. Besleu, c'est un tribu dans le Haut-Terre de Madagascar. Cette culture se manifeste par l'exhumation, comme nous voyons sur cette photo, la circoncision, le mariage traditionnel, la visite de nouveau-nés, les rites funérailles, etc. Cette culture constitue également un blocage au développement des entreprises des femmes, car d'après les résultats obtenus, elle engendre une perte de temps et d'énergie pour les femmes. Elle génère également des dépenses non négligeables dans la pratique de l'intercalao ou les dents contre dents. Ensuite, il y a des problèmes d'alphabétisation et la sous-scolarisation des femmes qui provoquent des difficultés techniques dans leurs entreprises, c'est-à-dire dans la gestion, dans le montage de projets ou aussi dans l'accès au financement, etc. Enfin, il y a l'accroissement de l'insécurité sociale qui se manifeste généralement par le vol, le meurtre, l'attaque en main armée, etc. À part des difficultés d'ordre socio-économique, ces femmes rencontrent également des difficultés d'ordre économique et financière qui se manifestent dans la difficulté d'accès à la terre et la difficulté d'accès au crédit. Alors, pour pouvoir surmonter ces difficultés, une approche axée sur l'humain devrait être appliquée dans ces problèmes des femmes. Donc,
Le programme œuvrant dans le développement rural devrait prendre en compte les besoins des femmes, leurs souhaits, leurs opinions, etc., c'est-à-dire les institutions ou le promoteur de projets de développement ne devraient pas ignorer les enquêtes avant projet dans lesquelles il faut définir et comprendre, concevoir et évaluer la situation que vivent les femmes avant de réaliser le projet. En guise de conclusion, le problème rencontré par les femmes rurales au niveau de leurs entreprises ne reste non seulement au niveau économique et financier, elles confrontent également des problèmes socioculturels qui sont moins considérés par les institutions de développement. Pourtant, ces problèmes constituent un des premiers obstacles pour le développement de leurs entreprises, d'où la nécessité des approches axées sur l'humain. Ainsi s'achève notre présentation. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, docteur. Donc, je rappelle que les échanges seront faits après la présentation. Donc, maintenant, il reste Namouri Doumbia, Hippolyte Pépin. Est-ce que Namouri est en ligne? Namouri Doumbia. Hippolyte Pépin de Gazo. Mangoukan Kudjo. Bon, professeur, je pense que ces communicants ne sont pas en ligne. Donc, en attendant, on peut passer à la phase échange. Exactement. Je pense qu'on a eu de belles présentations quand même. Quoi, on en a eu 3. Donc, oui. Sur 6, ça fait une moyenne. On peut ouvrir les échanges. Le temps, peut-être que les uns et les autres puissent se connecter. Merci. D'accord. Oui, Jean Jaffé, vous avez la parole. Après Jean Jaffé, on va donner la parole au professeur Amala. Jean Jaffé, bonjour. Vous avez la parole. Oui. Et bonjour, vous me recevez? Oui. Ok, merci. Donc, je suis Monsieur Emmanuel Jean Jaffé. Je suis de la République du Congo. Doctorant à l'université de Douala au Cameroun en sociologie politique. Bon, j'ai une question pour le docteur Diallo Moussa. Et ma question est la suivante. Le docteur Diallo Moussa nous a parlé, nous a proposé des solutions, que non, il va falloir peut-être dénoncer les accords et tout. Et j'ai très bien suivi avec attention des beaux résultats, en fait, de ces recherches. Maintenant, ma question est celle de savoir, est-ce que c'est possible d'y parvenir? Parce que l'Afrique fait face à des réels défis pour son unité. Puisque si on veut peut-être y parvenir, il va peut-être falloir que l'Afrique soit unie. Mais puisque l'Afrique est déjà confrontée à des défis de l'unité, donc est-ce qu'il est encore possible de parvenir à ces différents résultats? Donc c'était ça ma question. Bon, maintenant j'ai une deuxième question. Je ne sais pas s'il est possible que je puisse la soumettre, la poser. Il s'agit donc, en fait, j'aimerais m'adresser à M. Betengue Donald. Lorsque M. Betengue Donald, il est en train de proposer qu'il va falloir peut-être, on est en train d'utiliser l'Italie comme le contrepoids, l'Afrique va utiliser l'Italie comme le contrepoids à la France et autres. Bon, moi, j'aimerais savoir si cette procédure serait vraiment possible, parce que sur la scène internationale, il va falloir peut-être le dire. La France pèse quand même plus que l'Italie. Est-ce qu'il va toujours falloir, carrément s'accrocher à l'Italie pour qu'on puisse peut-être se débarrasser des Français? Est-ce que cette possibilité est vraiment possible? Je me demande si cette possibilité, on peut toujours la voir, quoi. Mais donc, là sont mes deux questions. D'accord. Merci beaucoup, Jean Jaffé. Donc, il y a le professeur Amalama et Alex Koudou. Donc, on donne la parole au professeur. OK. Vraiment, merci infiniment. Alors, moi, j'ai une question pour la dernière communicante sur les femmes rurales entrepreneurs à Madagascar. Une autre question pour Diallo Moussa.
et une question pour Onana. La question à notre collègue de Madagascar. Alors, de façon concrète, hein, pour aller droit au but, de façon concrète, elle qui a travaillé sur ces femmes entrepreneurs, comment est-ce qu'on peut intégrer les problèmes d'ordre socio-culturel qu'elle a mentionné, notamment la question des funérailles, la question des mariages traditionnels et autres là? Comment est-ce que de façon concrète, on peut prendre en compte ces éléments qui impactent les activités des femmes entrepreneurs dans leurs différentes activités, de sorte que ces problèmes d'ordre socio-culturel-là ne soient plus des problèmes? Comment est-ce que de façon concrète, on peut les intégrer dans les activités de ces femmes entrepreneurs, de sorte à ce que ces problèmes d'ordre socio-culturel ne soient pas vus comme des contraintes aux activités de ces femmes? Qu'est-ce qu'elle recommande à ce niveau? Ça, c'est ma question à notre ami de Madagascar. Alors, à M. Diallo Moussa, il a énuméré un certain nombre d'hypothèses qu'il a, vers la fin de son étude, affirmé. Alors, je voudrais, en termes de contribution, lui rappeler que les hypothèses doivent pouvoir mettre en lien des variables et des concepts. Et à la matière, ce qu'il a formulé, je ne sais pas si en philosophie c'est comme ça que ça se fait, mais ce ne sont pas véritablement des hypothèses parce qu'on ne perçoit pas clairement les variables et les concepts qui sont mis en lien. On voit simplement de simples déclarations. Et si d'aventure M. Diallo devrait soumettre le document pour la publication dans les actes du colloque, il faut qu'il revisite un peu la formulation de ces hypothèses. On pourra au besoin en discuter en off. La troisième préoccupation, c'est une question est adressée à notre ami qui a parlé de l'Italie. Il y a deux questions à son endroit. La première question, de savoir est-ce qu'il a questionné la face invisible des causes du conflit entre l'Italie et la France. Est-ce qu'il a questionné la face invisible de ce conflit-là? Ce qu'il a présenté, c'est la face visible de l'iceberg. Mais il y a une face invisible de ce conflit. Est-ce qu'il l'a questionné? Et parlant de discours, il faut qu'il retienne que l'Europe a toujours eu un discours commun, officiel en tout cas, quelles que soient les divergences internes qui peuvent opposer certains pays européens. Mais en matière de discours sur un sujet, ils ont toujours eu un discours commun et officiel en tout cas. La preuve avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, vous voyez, l'Europe, malgré les divergences internes, a un discours officiel qui est commun. Et même sur la migration dont il a fait cas dans son travail, l'Europe a toujours eu un discours commun, un discours officiel commun. C'est le cas, par exemple, des accords de Dublin, justement, les accords de Dublin qui fixent l'espace Schengen et qui fixent les règles d'entrée dans l'espace Schengen pour tous les pays européens. Et c'est sur cette base, par exemple, que l'Italie a demandé que la France puisse supporter autant qu'elle, l'Italie, le nombre de flux de migrants qui arrivaient sur son sol. Donc, pour rappeler à notre ami Onana qu'en matière de discours aussi, des questions, l'Europe a toujours eu une position qui est commune. Voilà, monsieur le modérateur, mes interventions à l'endroit des trois communicants. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, professeur Anola. Je pense que les intéressés ont noté les différentes questions. Voilà. Donc, maintenant, nous pouvons donner la parole à Alex Kodjo. Merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais m'adresser à notre cher collègue Diallo Moussa pour son intervention. J'ai quelques remarques et puis une question.
mes remarques, je pense qu'il faut quand même prendre des reculs par rapport à cette question de dénonciation de la traite, de la colonialisme et du néocolonialisme, du fait que nous aussi, Africains, nous avons contribué dans cette traite. À l'époque, nous avons aussi attaqué nos voisins, ont vendu nos voisins aux Européens qui ont participé à la traite. Et à certains moments, la traite fut même une grande source économique pour les royaumes africains, que ce soit à l'Afrique continentale, que ce soit à Madagascar. Et donc, je pense que même aujourd'hui, dans ces accords-là, il faut prendre en compte la responsabilité de nous, Africains, et nos participations là-dedans. Et par rapport à la question de reformer la FMI, mais par quelle force peut-on exiger la réforme de la FMI alors que c'est une organisation internationale puissante et appuyée par des pays vraiment puissants? Et donc, j'aimerais savoir sur ce point-là, quelle est concrètement la solution ou bien ce que vous envisagez sur la question de réformer la FMI. Merci beaucoup. OK, merci. Merci bien. Merci pour l'intervention. Maintenant, Sondo. Bien, Sondo, vous avez la parole. Sondo, vous êtes là? Ok. Je suis là. Voilà, donc je disais que j'ai quelques questions pour à l'endroit du docteur Ronald, lui qui a intervenu sur la crise franco-italienne. Deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que l'Italie gagne diplomatiquement en dénonçant la politique africaine de la France? Est-ce qu'il y a un gain diplomatique? Également, j'aimerais savoir s'il y a eu un dénouement diplomatique de cette crise. S'il y a eu des démarches qui ont permis d'atténuer la crise. Également, j'ai deux questions pour le docteur Diallo, qui a exposé sur la question de l'impérialisme. D'abord, j'aimerais savoir quels sont les facteurs qui expliquent le déséquilibre dans les accords entre les anciennes colonies et les ex-métropoles. Les facteurs qui expliquent ce déséquilibre-là dans les accords. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour renégocier de façon équitable ces accords-là? Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Maintenant, Trésor Bikavu. Bonjour. Il convient que je me présente. Oui, moi, je suis doctorant à l'université de Lubumbashi. Je suis présentement à Douala, où je viens participer au colloque de la capitale. Poser ma question au docteur qui a présenté sur la migration et les immigrations voilà, en Europe et tout. Bon, est-ce que aujourd'hui, comment vous voyez en rapport avec cette montée de migrants, est-ce que l'euro a imaginé une présentation sociale que les Blancs, depuis les Européens, depuis la colonisation jusqu'à la colonisation, représentation sociale qu'ils ont véhiculée eux-mêmes en montrant que le Noir n'était pas un être civilisé, aujourd'hui qui continue à diffuser à travers des médias internationaux pour montrer la face de l'Occident comme le paradis et la face de l'Afrique comme l'endroit où c'est misérable. Est-ce que ça ne contribue pas à la montée? Est-ce que ce n'est pas un facteur ou même une cause essentielle de la montée de l'immigration? Au lieu de chercher les causes
ailleurs, est-ce que ce n'est pas là qu'il faut aller chercher les causes de l'immigration en Occident? Merci beaucoup. D'accord. C'est bon? Ok, donc maintenant la parole est au communicant de bien vouloir donner des réponses aux questions posées. Allô? Diallo Moussa. Okay. Oui, merci. Diallo Moussa. Voilà. Allô? Oui, allô. Est-ce que vous pouvez donner des éclaircissements aux questions posées? C'est Diallo Moussa qui veut parler. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Je peux parler? Allez-y, Diallo Moussa, oui. OK, merci beaucoup. Alors, il y a eu quelques observations critiques sur la méthodologie que je prendrai en compte, sauf qu'en philosophie, effectivement, les hypothèses de recherche n'existent même pas en termes d'exigences méthodologiques. C'est plutôt poser un problème et dégager une problématique de recherche, dégager un plan. Alors, mais je prends en compte les observations critiques qui peuvent permettre d'améliorer le document dans tous les cas. Alors, la première interrogation, c'est est-ce que l'Afrique, dans sa désunion actuelle, peut parvenir aux solutions que j'ai proposées, à savoir dénoncer les accords et renégocier de nouveaux accords. Et effectivement, le document que j'ai fait prend en compte déjà la problématique de l'unité de l'Afrique. J'ai convoqué des auteurs comme Nkrumah. Son ouvrage s'intitule d'ailleurs « L'Afrique doit s'unir ». J'ai aussi convoqué un auteur comme Cheikh Anta Diop dans son ouvrage intitulé « Les conditions économiques et culturelles d'un État fédéral d'Afrique noire ». Et puis, j'ai convoqué un autre auteur comme Sékou Touré dans son ouvrage intitulé « Des États-Unis d'Afrique ». Et tous ces auteurs que je viens de citer posent la nécessité préalable de l'unité africaine avant d'aller dans le combat pour l'indépendance véritable, la souveraineté véritable de l'Afrique. Et je pose comme condition préalable justement à la négociation, à la dénonciation et à la négociation de nouveaux accords, et la question épineuse de l'unité de l'Afrique. Donc ça, c'est, je rappelle que c'est une étude théorique, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une étude empirique. Donc, et de ce point de vue-là, peut-être que le philosophe se permet aussi un peu à la manière des philosophes des Lumières de faire rêver. Hein. Il faut peut-être insister pour qu'il y ait une conscience africaine de la nécessité de construire une Afrique forte. Si cette nécessité n'est pas acceptée par les masses populaires elles-mêmes et les dirigeants, et c'est évident que ce que nous tenons comme discours va rester et lettre morte, il n'y aura pas de suite. Ensuite, le recul. Effectivement, dans le texte, d'ailleurs sur la traite négrière, je rappelle, et il y a des ouvrages intéressants là-dessus, qu'il y a eu d'abord l'esclavage entre Africains eux-mêmes. Les Africains ont pratiqué l'esclavage. Ensuite, il y a eu l'esclavage des Arabes sur les Noirs. Et c'est par la suite que la traite négrière est venue couronner tout ça. Et je n'oublie pas qu'il y a une responsabilité africaine à situer. Mais de façon très importante, la plupart des documents que j'ai consultés relèvent effectivement qu'il y a eu un impact négatif de la traite négrière sur l'Afrique, en termes de pillage des ressources naturelles, mais aussi en termes de pillage des ressources humaines. Imaginez qu'on propose un miroir contre des 5 à 10 bras valides, du sucre contre des kilos d'or. Ça, il faut reconnaître, même si on a nos responsabilités, ceux qui sont venus ont encore plus de responsabilités à assumer.
puisque ça a permis de développer chez eux et d'appauvrir nos États et de les empêcher même de se développer. Ça aussi, c'est un fait historique que l'on peut reconnaître. La réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ce sont des États puissants qui soutiennent ces institutions. Est-ce que l'Afrique peut? Oui, justement, et là aussi, je m'appuie sur des travaux d'un ancien serviteur, d'ailleurs, du Fonds monétaire international. Je parle de Joseph Stiglitz, dans La Grande Désillusion. Il écrit justement qu'il faut impérativement que les pays dominés exigent la réforme du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui, de son point de vue, sont des institutions au service de l'idéologie néolibérale. Donc, qui aujourd'hui ne permettent pas aux États de concevoir leur politique de développement de façon libre, de façon souveraine. Et tant qu'on va rester dans cette logique, pour lui, ces institutions devraient se limiter à examiner les demandes de financement et voir si ces demandes sont pertinentes ou pas, et non imposer des politiques néolibérales qui désarticulent l'économie des pays faibles. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais une fois de plus, dans l'unité, l'Afrique pourrait faire bousculer des lignes à ce niveau-là. Alors, le déséquilibre dans les accords entre les ex-colonies et leurs anciens colonisateurs. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, moi, j'ai même dit que ce sont des accords lyonnais. Hein. Je vais entendre par là que c'est comme si on demande au lion de partager un butin avec la biche. Voilà. C'est évident, le lion va imposer la plus grosse part parce que la biche elle-même pourrait être considérée comme une partie du butin à partager par le lion. Autrement dit, c'est le rapport de force. C'est le plus fort qui a imposé sa volonté dans ces accords-là. Et pris individuellement, effectivement, les États africains auront du mal à renégocier efficacement ces accords. Mais, et à les dénoncer. Mais si les gens acceptent d'aller de façon groupée, les États s'entendent pour avancer, il y a des chances qu'on puisse réussir à renégocier. C'est ce que je pense sincèrement. Alors, les conditions ne sont pas réunies, mais elles sont réunies de mon point de vue, parce que n'oubliez pas que j'ai même exploité ces travaux aussi de Cheikh Anta Diop. Le leadership scientifique, politique, économique du monde n'a pas commencé par l'Occident. Cheikh Anta Diop montre à souhait dans Nation Nègre et Culture et dans Civilisation ou Barbarie que l'Égypte antique pharaonique a joué un rôle important dans la circulation des savoirs, mais même sur le plan diplomatique, un rôle important sur le plan militaire aussi. Donc, il faut qu'on se souvienne tout simplement que nous avons un rôle à jouer dans les relations internationales et que c'est en restant soudés, en travaillant à unir nos forces, que nous pouvons peser. Pris individuellement, actuellement, les États africains restent très faibles et de ce point de vue, je partage les inquiétudes qui sont soulevées, mais de mon point de vue, ces conditions-là, c'est nous, les chercheurs, qui devrons interpeller, comme les philosophes des Lumières, sensibiliser les populations et les gouvernants pour qu'on aille vers des solutions qui puissent permettre à l'Afrique de peser dans les relations internationales. Merci. Je ne sais pas si j'ai pu satisfaire par mes réponses aux différentes questions, mais c'est ce que je peux dire. Et une fois de plus, ce sont des points de vue plus théoriques, des convictions en philosophie, ce n'est pas interdit. Et c'est peut-être ça, c'est une science des valeurs par essence. Donc, on peut proposer des solutions, même si pour le moment, on pense que les conditions de réalisation ne sont pas réunies. J'aime dire que quand Rousseau prônait la démocratie, et Montesquieu la séparation des pouvoirs, on était sous le contexte de la monarchie absolue en Europe. Les conditions n'étaient pas réunies. Ce sont les débats d'idées qui ont permis de réunir les conditions pour réaliser cet idéal qu'était la démocratie, qui reste encore d'ailleurs un idéal. Merci beaucoup. Bravo, merci. Maintenant,
Oui, Donald Bétigny. Donald, voilà, Bétigny. Alors, je veux commencer par la préoccupation de M. Bikavu. Oui, la représentation ou la vision paradisiaque oui, romantique de l'Europe est un facteur déterminant. Pour ma part, même c'est le premier facteur, puisqu'à travers la colonisation, on a inculqué dans l'esprit des Africains que l'Europe, en particulier et l'Occident en général, est un référentiel. La preuve, si vous observez la cartographie des représentations diplomatiques africaines, notamment des pays francophones, vous verrez une très forte concentration des missions diplomatiques sur le vieux continent. Donc, il est logique donc que pour les migrants, au lieu de se retrouver, au lieu d'aller massivement vers l'Asie ou bien l'Amérique, c'est d'abord par l'Europe à cause de ces liens de colonisation. La première question de M. Bikavu, c'est le dénouement. Effectivement, il y a un dénouement. À travers la crise diplomatique, les Italiens voulaient obliger les Français à partager le fardeau. Et lors de la visite d'Emmanuel Macron, dans le sillage de cette crise, a été mis sur pied un mécanisme compensatoire entre la France et l'Italie et avec la promesse que la France devait soutenir désormais les doléances italiennes vis-à-vis du dossier des migrations. Donc, c'est ça le dénouement de cette crise. Alors, pour M. Sandou. M. Sandou pose la question de savoir qu'est-ce que l'Italie gagne dans la dénonciation de la politique africaine de la France. Cette posture de dénonciation gagne d'abord en respect, en visibilité. Beaucoup de puissances, de nouvelles puissances qui débarquent sur le continent africain et qui veulent prendre position dans l'espace francophone, utilise le relan de l'anticolonialisme, le sentiment anti-français des populations et des élites pour se positionner comme étant des partenaires sérieux et pragmatiques. L'Italie, donc, en dénonçant la politique coloniale ou néocoloniale française, s'inscrit dans cette logique. Thank you.